jamais ne te tourmente, que rien jamais ne t'épouvante. Dieu présent tout. Moi, c'est Sœur Christine Kayumba Bulobo. Et je suis née d'une famille de 7 enfants, donc 4 sœurs et 3 frères, et j'occupe la 6e place. Je suis née le 13 août 1990 à Lubumbashi. Je suis originaire, mon père est Musongi et ma mère est Katangaise. Alors ma famille réside à Lubumbashi et la grande famille aussi à Bujumbura. Je suis carmélite missionnaire thérésienne. Je suis entrée dans la congrégation des carmélites missionnaires thérésiennes depuis le 7 septembre 2011. À qui possède lui-même de tout bien la source suprême, rien ne manque et ne nuit. Dieu, Dieu seul suffit. Rien. Pour moi, CV représente une grande chose parce que CV est un signe, un symbole de mon attachement définitivement au Christ. C'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui a mis sa main sur moi. Et alors pour moi, lui offrir ma vie définitivement, c'est une grande chose pour moi. Sœur bien-aimée, que demandez-vous à Dieu et à son Église? Avec la grâce du Seigneur, moi, Sœur Kayumba Bulobo, je connais désormais ce qu'exige la règle de carmélite missionnaire thérésienne, car je vis fraternellement avec elle durant ces temps de probation qui s'achèvent. Et je demande de lui faire protection dans cette famille afin de les consacrer à Dieu et à son royaume. C'est une grande chose pour moi, une merveille que le Seigneur a fait pour moi. Et voilà pourquoi je suis très heureuse parce que j'appartiens qu'à lui. Et je sais que comme il a mis la main sur moi, et lui-même, il me conduira et il m'aidera à vivre fidèle parce que la fidélité, c'est lui. L'ombre fuit, Dieu se suffit. Et bientôt, l'ombre fuit. Le feu de la chasteté t'invite à te donner exclusivement à Dieu dans l'amour intime, libre et transparent. Veux-tu te donner sans partage à l'amour du Christ en vivant la chasteté pour le règne de Dieu? Oui, je le veux. Veux-tu reconnaître le Christ dans tes consœurs, vivant avec elle la fraternité et la communion dans les bons et les mauvais jours, dans la joie et dans la souffrance? Oui, je le veux. Veux-tu vivre disponible aux besoins les plus urgents de l'Église et servir celle-ci dans n'importe quel pays où la congrégation t'enverrait et assumer l'apostolat qui te serait confié? Oui, je le veux. Ce que Dieu a commencé en toi, qu'il le mène à son accomplissement pour le jour où le Christ viendra. Amen. Let the King of my heart be the mountain where I'm at.
fountain I drink from, oh, he is my song. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life, oh, he is my song. You are good, good, oh, you are good, good, oh. Let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves, oh, he is my song. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days, oh, he is my song. You are good. Et j'ai fait mon postulat ici à Goma et le noviciat à Bukavu. Et puis j'ai fait une année d'expérience comme junior à Butare, au Rwanda. Et j'ai fait 6 mois à la maison provinciale à Nairobi. Et ça fait 8 ans que je suis missionnaire à Madagascar. Vraiment, c'est parce que en regardant ma vie de mon enfance jusqu'à maintenant, j'ai vu que sans le Christ, il n'y a rien. Alors voilà pourquoi j'ai pris la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 9, et qui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et comme mon chant aussi d'action de grâce, je prie les paroles de Sainte Thérèse de Jésus qui marche de pair avec ce débit et qui dit que rien ne te trouble, que rien ne te tourmente, que rien ne t'épouvante. La patience obtient tout. Celui qui a Dieu a tout. Alors Dieu seul suffit. Voilà pour moi. Que rien ne te trouble. Dieu seul suffit.
dernièrement son excellence Monseigneur l'évêque de l'accueillir dans l'église. Cet immense amour sans frontières que ce regard soleil de Dieu, que ce regard plein de lumière qui invente la vie, l'aurore, une espérance forte et sincère, c'est l'amour qui est le plus fort. Ainsi triomphe la lumière, en nous vient de naître l'aurore, qu'il est grand et beau ce mystère, l'amour est plus fort que la mort. Ainsi triomphe la lumière, en nous vient de naître l'aurore, qu'il est grand et beau ce mystère, l'amour est plus fort que la mort. Ainsi triomphe la lumière, en nous vient de naître l'aurore, qu'il est grand et bon ce mystère, l'amour est plus fort que la mort. Ainsi triomphe la lumière, en nous vient de naître l'aurore, qu'il est grand et bon ce mystère, l'amour est plus fort que la mort. L'amour si patient, c'est attendre, s'applique à rendre l'autre heureux. Pardonne tout, même sans comprendre, il espère et s'appuie sur Dieu. Laisse à l'autre malgré tout quand même ses choix au-delà de ses torts. La liberté d'être lui-même, car l'amour est toujours plus fort. Ainsi triomphe la lumière, en nous vient de naître l'aurore, qu'il est grand et bon ce mystère, l'amour est plus fort que la mort. Ainsi triomphe la lumière, en nous vient de naître l'aurore, qu'il est grand et beau ce mystère, l'amour est plus fort que la mort. L'amour endure la souffrance, même si l'on croit l'espoir perdu. L'amour répare l'espérance, il reconstruit, donne encore plus. L'amour nous fait solides et libres, buisson ardent, il est si fort. L'amour nous fait enfin revivre, c'est l'amour qui est le plus fort. Ainsi triomphe la lumière, en nous vient de naître l'aurore, qu'il est grand et beau ce mystère, l'amour est plus fort que la mort. Ainsi triomphe la lumière, en nous vient de naître l'aurore, qu'il est grand et bon ce mystère, l'amour est plus fort que la mort. J'ai une histoire avec les Carmélites missionnaires thérésiennes. Moi, j'ai fait mes études secondaires à Kananga, au lycée d'Issouminina. C'est une école catholique de sœurs sketistes. Alors, là, il n'y a pas les sœurs carmélites missionnaires thérésiennes. Et moi, j'ai connu les carmélites à partir de Père Carme, les Carmes de Chaux. Ce sont eux qui m'ont appris, qui m'ont aidé à connaître la famille carmélitaine et en particulier la famille des sœurs carmélites missionnaires thérésiennes. Et ce sont des pères qui m'ont aidé et qui m'ont donné des brochures de plusieurs congrégations qui sont affiliées au Carmel.
Et en lisant, j'ai été touchée par la parole de Francisco Palau, le bien-aimé Francisco Palau, qui est le fondateur des Carmélites missionnaires thérésiennes. La parole qui dit « Je vis et je vivrai, je vis et je mourrai pour l'Église ». Et il dit « L'Église » qui signifie pour Francisco Palau « Dieu est le prochain ». Le Christ a encore besoin de beaucoup de filles pour s'engager aux besoins de nos frères. Surtout nos frères d'ici qui traversent des moments difficiles, nos frères qui sont martyrisés chaque jour à cause de la guerre qui est ici. Alors cette église blessée, cette église défigurée a encore besoin de nous pour restaurer encore sa beauté. Alors j'invite encore les filles à s'engager, à ne pas avoir peur. À s'engager à la suite du Christ, il y a du merveille. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the oceans. I need you now to do the same thing for me. Oh, oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh, we're standing on solid ground. Power then, God move in power now. You are the same God, you are the same God. You were a Savior then, you are a Savior now. You are the same God, you are the same Savior. He can move the mountains. God is mighty to save. He is mighty to save. Forever author of salvation, he rose and conquered the grave. Jesus.
singing for the glory of the risen King. Yes, shine your light and let the whole world see.